pour ce conseil municipal du 4 avril. Donc je vais commencer par l'appel. Donc Cathy Nicolaou. Présente. Éric Marchand. Présente. Véronique Paco. Présente. Patrick Rion. Françoise André. Présente. Donc Métine Albera qui est souffrant, isolée et donc m'a donné pouvoir. Monique Gattier est en visio avec le préfet, elle arrivera en retard. Patrick Cailleux et au conseil d'administration du Collège du Vallon arrivera en retard. Roger Vernet. Marie-Claire Tellier est excusée à donner pouvoir à Cathy Nicolaou. Gilbert Daroux. Alain Dichamp. Didier Devoucou. Francette Gibel s'est excusée à donner pouvoir à Éric Marchand. Gauthier Jiménez est excusé à donner pouvoir à Sarah Pignolet-Defresne. Stéphane Fabre est excusé à donner pouvoir à Jean-Louis Cormier. Sarah Pignolet-Defresne. Céline Goudier-Posva. Sandrine Gassier est... Présente, très bien. Carla Simoès-Rodriguez. Présente. Anaïs Pelu. Elle est présente. Elle est présente, oui. Elle est sans voix. Marge Van Vien. Yann Barou est excusé de donner pouvoir à Françoise André. Vincent Vautrin. Jean-Louis Guillon. Catherine Leflon est excusée. Y a-t-il un pouvoir ? Tu regardes et puis tu me dis. Alors, Florence Garn est excusée à donner pouvoir à Anatole Sago, Frédéric Brochot, Angéline Gorini, Michael Guigeau a indiqué qu'il arriverait en retard, Anatole Sago. Je fais passer la fiche d'émargement. Alors... Vous avez peut-être pu le constater, dans l'ordre du jour, il y a un rapport qui était bien envoyé dans la note de synthèse, mais qui a disparu de l'ordre du jour. C'est le rapport 5.4 qui est l'approbation des taux, ce qui est quand même important, mais bon, même si les taux ne bougent pas, ça a dû être mixé avec le budget primitif. Et donc il y a un point 5.4 qui est l'approbation des taux qui était transmis dans la note de synthèse, mais passé à l'as dans l'ordre du jour. Je propose de désigner un secrétaire de séance, Anatole Sago. Y a-t-il des oppositions ? Pas d'opposition. Je vous propose de commencer par le compte-rendu des actes accomplis. Alain Dichamp pour une lecture synthétique. Et alors, merci Monsieur le maire. Je vais vous faire une lecture avec écrémage des actes accomplis pour les journées du 1 et du 7 mars 2022. Tout d'abord, les décisions mises à disposition des locaux avec l'Association géologique du Morvan, l'Association Eureka SAS Bourgogne Intérim et la Société aux aides meubles. Voilà. Décisions autorisant les modifications de baux avec la société SAS Couverture Zingris au Cornier, la société Immorante, le bureau d'inspection de l'éducation nationale. Toutes les modalités, la durée des baux et le montant des loyers sont mentionnés dans les documents annexés. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé, parce qu'on a demandé de faire court. Bon, maintenant, je passe aux décisions diverses. Engagement des négociations avec le président d'Autun par Coteau pour l'attribution de la délégation de services publics de la fourrière automobile, sollicitation de la région Bourgogne-Franche-Comté pour une aide de 12 000 euros pour le soutien au spectacle vivant, partenariat à titre gratuit entre la mairie d'Autun et le CFA 71 site Saint-Marcel pour une journée de formation taille fruitière, autorisation de campagne photographique de la prison panoptique entre la ville d'Autun et M. Francis Mellet, photographe indépendant. Autorisation à M. Gillot Jean-Marc de l'occupation d'une parcelle située chemin du Vieux Moulin pour une redevance annuelle de 90 euros l'hectare. Enfin, je termine par la décision approuvant les plans de financement
afférent à la restauration des remparts de la Maladière pour un montant de 500 000 euros avec une demande de subvention de 46 000 euros. Aménagement de la place des Gains pour un montant de 848 032,95 euros avec une demande de subvention de 200 000 euros. À la requalification de la place du Champ de Mars pour un montant de 658 262 euros avec une demande de subvention de 200 000 euros. À la réalisation du centre de préparation aux Jeux Olympiques 2024 dont le montant s'élève à 279 446 euros avec une demande de subvention de 41 218 euros. Voilà, merci. Merci beaucoup Alain. Est-ce qu'il y a des questions sur les actes accomplis ? Pas de questions ? On n'a pas de procès-verbaux, on les aura au prochain conseil. Alors, premier rapport sur la fourrière automobile, attribution de délégation de service public. Cathy Nicolaou. Merci Monsieur le maire, bonsoir chers collègues. Considérant qu'une procédure de mise en concurrence a été autorisée par le conseil municipal du 13 décembre 2021 avec toute la procédure concernant la mise en publicité qui a été transmise le 22 décembre 2021 au bulletin officiel d'annonce des marchés publics et sur Ternome Bourgogne-Franche-Comté pour une remise des candidatures et des offres le 1er février 2022. Considérant que la candidature des deux sociétés ont été reçues, Garage Plâtrès, Cise à la Selle en Morvan et Autun Parc Expo à Autun, situé, pardon, Autun Parc Auto, avec mes excuses. Considérant que la commission DSP, délégation de services publics, réunie le 1er février 2022 après connaissance des candidatures qui ont été déclarées incomplètes. Les candidats ont été alors amenés à compléter leur candidature et la commission DSP du 10 février a considéré que les sociétés remplissaient les conditions de participation et que les offres pouvaient être ouvertes et examinées. La commission du 15 février 2022 a procédé à une analyse des offres et des négociations ont été engagées par Monsieur le maire avec la société Autun Parc Auto. Considérant que les caractéristiques principales de la délégation de services publics envisagées sont les suivantes, le délégataire devra assumer la gestion de la fourrière automobile à ses risques et périls. Le délégataire sera chargé d'assurer l'enlèvement, la garde, la restitution à leurs propriétaires des véhicules mis en fourrière, ainsi que la remise, le cas échéant, des véhicules à France Domaine pour aliénation ou à une entreprise agréée pour destruction. La rémunération du délégataire proviendra essentiellement de la perception auprès des propriétaires des frais de mise en fourrière de leurs véhicules et des frais de gardiennage. La société Autun Parc Auto comprend un salarié mécanicien ainsi que le gérant pouvant tous deux procéder à l'enlèvement des véhicules. La société Autun Parc Auto organisera l'accueil des propriétaires de véhicules afin de leur restituer du lundi au samedi de 9h à 17h. Une indemnisation sera versée par la ville d'Autun au délégataire en cas d'abandon du véhicule par son propriétaire à hauteur de 75% des tarifs applicables aux usagers. La société Autun Parc Auto versera une redevance annuelle de 500 euros à la ville d'Autun. Le délégataire devra présenter un rapport annuel d'exploitation chaque année avant le 30 juin de l'année suivante. Considérant qu'il est proposé une gestion de délégation de services publics pour une durée de 5 ans et 6 mois, considérant que le titulaire n'est pas encore pourvu de l'agrément de gardien de fourrière et que le contrat qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2022 ne pourra entrer en vigueur qu'à l'obtention de celle-ci, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution du contrat de délégation de service public de la fourrière automobile à la société Autun Parc Auto, d'approuver les clauses du contrat de délégation de service public de la fourrière automobile, d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de délégation de service public de fourrière automobile. Merci beaucoup et merci à l'ensemble des membres de la commission de délégation de service public pour cette attribution de délégation de ce service qui est redevenu un service public municipal et qui, si la préfecture octroie donc l'autorisation de fourriériste à la société, se tiendra sur la commune d'Autun, dans une rue qui s'appelle aujourd'hui la rue Nicéphore-Niepce, mais que l'on renommera dans une délibération suivante du nom d'une femme, si vous en êtes d'accord. Sur ce, c'est bien délégation, il y a écrit délégation, mais c'est bien délégation. Sur ce rapport de la commission et l'attribution du marché pour...
pour 5 ans et 6 mois à partir du 1er juillet à la société Autun Parc Auto. Y a-t-il des questions ? Je crois que c'est prendre acte. Ah non, c'est une délibération puisque ça permet ensuite au délégataire de solliciter la préfecture. Donc y a-t-il des questions ? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et on espère que la préfecture sera rapide pour examiner le dossier et nous permettre donc ce nouveau contrat au 1er juillet. Le cas échéant, nous réquisitionnerons un autre garage ou le délégataire actuel. 1.3, c'est la convention avec le centre de gestion. Donc c'est Patrick Cailleux qui devait rapporter, mais qui n'est pas encore arrivé. Donc le centre de gestion 71, qui est le centre de gestion de la fonction publique territoriale, a créé un nouveau service qui permet d'externaliser la fonction de délégué à la protection des données qui est exercée jusqu'à aujourd'hui à titre dérogatoire mais néanmoins légal par Patrick Cailleux. Et donc, en application du règlement général européen sur la protection des données, RGPD, il nous faut professionnaliser cette fonction, d'autant qu'on a un certain nombre de données personnelles, ne serait-ce maintenant qu'avec la géolocalisation, la vidéoprotection ou d'autres services. Donc il y a là un besoin d'être conforme à la loi. Et c'est le centre de gestion qui fera ce contrôle interne pour nous. Donc depuis le 2 juillet 2018, le centre de gestion propose ce service. Le règlement général sur la protection des données RGPD, lui, a été adopté en 2016 et transposé le 14 mai 2018. Nous sommes tenus, administration et entreprise, à nous y conformer depuis le 25 mai 2018. Il en découle une obligation de nommer un délégué à la protection des données, DPO, qui est mutualisable. Donc c'est ce qu'on fait, on mutualise à l'échelle du département. C'était donc Patrick Cailleux à titre dérogatoire et maintenant ce sera le centre de gestion. Établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles. Donc on est en train de le faire déjà et on le fera avec le centre de gestion. Mettre en place un plan d'action pour mettre en conformité les traitements qui ne le sont pas et tenir à jour un registre des traitements. Le RGPD impose dès la création d'un traitement ou service la protection des données à caractère que la protection des données soit prise en compte. C'est-à-dire que les personnes peuvent refuser que leurs données soient utilisées. Cela induit de minimiser autant que possible la collecte des données personnelles nécessaires à la finalité du service, de déterminer leur durée de conservation, de préparer les mentions d'information et le recueil du consentement. En cas de traitement susceptible d'engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes, il y aura lieu de réaliser des analyses d'impact. En cas de fuite de données, ça peut être le cas notamment lors d'une attaque informatique, qui n'est pas qu'un cas d'école, puisque un certain nombre de collectivités, y compris du département, sont régulièrement attaquées. La collectivité doit notifier auprès de la CNIL la violation de son système dans un délai de 72 heures et en informer corrélativement les personnes dont les données figurent dans les traitements. La CNIL effectue un contrôle a posteriori. Cela induit que les collectivités devront être en mesure de prouver à tout moment que tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des agents et qu'elles se trouvent en conformité avec le RGPD. Une documentation fournie à jour devrait être disponible, registre des traitements, donc programme d'analyse d'impact, contrat avec les sous-traitants, procédure d'information des personnes, etc. En cas de manquement, le texte prévoit des amendes et des sanctions administratives, y compris pénales. Considérant que cette mise en conformité va générer de fortes charges de travail, ainsi qu'un coût conséquent, et que la ville d'Autun ne dispose pas de tous les moyens, tant financiers qu'humains, nécessaires à ces travaux, la mutualisation de cette démarche semble être un moyen pertinent d'optimiser les compétences requises et les coûts générés. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire propose de mutualiser ses ressources, ainsi que son propre délégué à la protection des données. Le conseil d'administration du CDG a accepté le principe de mutualisation, a accepté également qu'on lui délègue cette fonction contre rémunération. Et donc, il est proposé d'adhérer à la proposition du centre de gestion et de signer la convention de mutualisation, de désigner comme délégué à la protection des données le centre de gestion 71 et d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant délégation, ce sera Patrick Cailleux, à signer tout document se rapportant à ce dossier. Sur l'externalisation ou la mutualisation du délégué à la protection des données RGPD, y a-t-il des questions ? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Les abstentions, unanimité, je vous remercie. Et nous passons la partie direction des musées et du patrimoine, Patrick Rion. Alors,
Vu l'arrêté du 24 janvier 2022 du préfet de région portant prescription d'une fouille archéologique préventive, considérant que l'objet des fouilles est de confirmer la présence de l'enceinte tardo-antique ainsi que les porteries romaines, considérant que cette opération, qui se déroulera parallèlement aux études d'avant-projet du panoptique d'Autun, est estimée pour un montant total de 395 000 euros TTC. Elle sera composée d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles et sera passée sous la forme d'un appel d'offres ouvert pour une durée maximum de 30 mois, dont 6 mois de fouilles opérationnelles et 24 mois d'études. Il est proposé au conseil d'administration, au conseil municipal, je vais finir par y arriver, d'approuver le lancement de la consultation relative à l'opération de fouilles archéologiques préventives portant sur l'aire Lacom du musée Rollin, selon une procédure d'appel d'offres ouvert pour un montant estimatif total de 395 000 euros TTC, d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant délégation à signer le présent marché et tout document s'y rapportant, d'autoriser M. le maire à solliciter de l'État, au titre du Fonds national d'archéologie préventive et de la région Bourgogne-Franche-Comté, au titre du plan d'accélération de l'investissement régional, une subvention. Merci beaucoup. Donc, il s'agit du marché de fouilles archéologiques pour permettre l'accessibilité du musée et notamment la réalisation d'un ascenseur qui est une gageure dans cet ensemble patrimonial. Et donc, le choix a été fait d'un ascenseur à l'intérieur des bâtiments, ce qui nous oblige à sonder le bâtiment pour voir si il est possible de l'installer à l'endroit prévu. Le service archéologique sera sollicité, les cofinanceurs aussi, notamment la région Bourgogne-Franche-Comté qui a déjà acté sa subvention. L'archéologie étant concurrentielle, c'est une notion qui est contre-intuitive, mais néanmoins réelle, eh bien, il faut passer à un marché public et il y aura plusieurs opérateurs publics ou privés qui répondront à ce marché qui commencera assez vite dans l'hôtel dans l'hôtel Lacôme, là où il y a actuellement, où il y avait le Bellérophon et le tombeau de Brunehaut et la stèle de Pectorius. Sur ce marché public, sur ce lancement de marché public sur les fouilles de l'aile Lacôme, y a-t-il des questions ? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions, unanimité, je vous remercie. Prochain rapport, Sarah Pignolet-Defresne, et les services devaient projeter ou transmettre à la presse, ou faire tourner la proposition d'acquisition dont va nous parler à l'instant Sarah Pignolet-Defresne. Donc, direction des musées du patrimoine, acquisition d'un secrétaire Louis XVI figurant la porte d'Arou. Considérant qu'un secrétaire Louis XVI, daté fin 18e, début 19e, est en vente auprès d'un antiquaire à Lille sur la Sorgue. Que la fabrication de ce secrétaire Louis XVI est certainement locale, mais la provenance exacte reste inconnue. Que ce meuble a l'intérêt de présenter une iconographie récurrente prenant comme sujet les monuments antiques encore présents dans la ville d'Autun, comme la porte d'Arou. Que ce secrétaire se rapproche d'un bureau à cylindre contemporain collection du musée Rollin et présenté dans le parcours permanent dont l'iconographie reprend également le modèle des deux portes antiques de la ville. Que la rénovation extension du musée Rollin au bâtiment voisin de la prison palomdique et du palais de justice est l'occasion de refonder le discours du parcours permanent. Que des demandes de subventions peuvent être faites auprès des organismes publics après avoir reçu un avis favorable de l'État. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'achat de ce secrétaire Louis XVI à M. Michel Cornillon pour la somme de 5 000 euros, d'autoriser M. le maire ou tout représentant ayant délégation à solliciter toute subvention mobilisable pour cette acquisition, d'autoriser M. le maire ou tout représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Donc, une partie du patrimoine de la ville qui revient dans la commune, Autun ville du meuble et Autun ville antique, qui fait écho à un secrétaire, effectivement, déjà possession du musée. Dans
dans une vente qui a été approuvée par l'État, la commission interrégionale d'acquisition de la DRAC, qui permet d'ailleurs de mobiliser certaines subventions pour cet élément de marqueterie de la fin du 18e, pour un prix total de 5 000 €. Sur cette acquisition d'un secrétaire Louis XVI figurant la porte d'Arroux, y a-t-il des questions ? Pas de questions, y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et on parlera dans un prochain conseil, peut-être le plus prochain conseil, comme on dit, de la création d'un fonds de dotation pour permettre des donations d'une part et puis d'autres acquisitions d'autre part, qui est en ce moment à l'étude avec Patrick Rion et des donataires et collectionneurs privés. Je vous propose maintenant de passer à la grille des tarifs des stylobies du musée Rollin, Patrick Rion. Merci, monsieur le maire. Alors, considérant le souhait de renouveler une partie de l'offre à la boutique du musée Rollin et à destination Autun, considérant que la présente délibération rendra caduque la décision numéro 58-2020 relative aux modalités de vente de nouveaux articles dans la boutique du musée Rollin et à destination Autun, prise sous l'ordonnance du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de COVID-19. Considérant le changement de fournisseur afin de limiter les quantités commandées, et ce dans l'optique de la fermeture de la boutique du musée Rollin. Considérant que la commercialisation d'anciens et de nouveaux produits se fera au comptoir de vente du musée Rollin et de destination Autun, étant précisé que l'encaissement des recettes sera effectué via la régie de recettes du musée Rollin et de la régie de recettes de destination Autun et au moyen de facture. Considérant que tout article vendu à la boutique du musée Rollin et à destination Autun ne figurant pas dans cette délibération conserve le tarif actuel appliqué, il est proposé au conseil municipal d'approuver la grille tarifaire suivante, dont je vous ferai grâce, de maintenir le seuil minimal d'utilisation de la carte bancaire à 2 € et d'autoriser monsieur le maire ou tout représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup, Patrick. Et donc, la délibération, c'est bien au musée Rollin et à destination Autun. Les deux. Qui a réouvert le 1er avril. Absolument. Comme le petit Rollin à côté, d'ailleurs. Un peu de pub au passage. Puisqu'on rentre désormais de nouveau dans la saison touristique. Et destination Autun, donc, est réouvert avec la présentation, je crois, des chapiteaux en 3D. Absolument. C'est maintenant le cas. Mmh. Et n'hésitez pas, donc, avec une présentation de ces chapiteaux scannés qui a été un élément important des dernières années de reconstitution numérique du patrimoine de Gis Lebertus. Sur donc le prix des stylobies, des tote bags et des sets de coloriage, y a-t-il des questions ? Pas de questions, des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Nous passons aux affaires culturelles avec l'approbation de la convention cadre avec l'association Humaniste. L'association Humaniste mène depuis une décennie des manifestations en lien avec la ville d'Autun, notamment les journées romaines et le colloque des langues anciennes. Mais la crise sanitaire a modifié l'organisation de certains projets pour l'année 2022 et conduit notamment à l'annulation du colloque des langues anciennes. L'association Humaniste, malgré tout, conserve les journées romaines et il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la signature de l'avenant numéro 1 à la convention cadre pluriannuelle avec l'association Humaniste, d'accorder la subvention demandée pour les journées romaines, soit 22 000 € et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document s'y rapportant. Les journées romaines qui auront lieu les 6 et 7 août et qui permettent, vous le savez très certainement, la découverte des origines de la ville et de la vie quotidienne de nos ancêtres gallo-romains et romains, avec notamment des démonstrations et des reconstitutions. Merci. Et donc le colloque des langues anciennes qui aura lieu en 2023. C'est bien ça, Cathy ? Absolument. Sur cet avenant numéro 1, donc, vous allez voir, on passe un certain nombre d'avenants avec des associations qui, du coup, n'ont pas pu respecter leur convention du fait de
de la crise Covid et pour lesquels on décale certaines subventions, on en annule même certaines. Il y a-t-il des questions sur cette subvention ? Pardon, approbation à l'avenant numéro 1, approbation de l'avenant numéro 1 à la convention cadre de 2020 à 2023 entre la ville et Human East. Pas de questions ? Je propose de passer au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Et nous passons donc à une convention, c'est la première celle-là, donc ce n'est pas un avenant, avec le Centre d'Histoire Vivante pour l'organisation du festival, la deuxième édition du festival historique multi-époque. Qui aura lieu cette année les 10 et 11 septembre 2022. Et donc, par rapport à ceci, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la signature de cette convention avec l'association Centre d'Histoire Vivante, d'accorder la subvention demandée pour les journées historiques, soit 18 000 euros, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer tout document s'y rapportant. Il s'agit d'un festival historique multi-époque avec la visite de 2000 ans d'histoire à travers la vie quotidienne civile et militaire des grandes périodes de notre passé. L'occasion donc de venir échanger notamment avec des passionnés de reconstitution historique qui vous accueilleront dans leur campement. Et donc, pour une première édition qui n'avait pas eu de subvention, donc la deuxième édition a fait une demande de subvention en temps et en heure et devrait gagner en intensité. Sur cette convention avec l'association Centre d'Histoire Vivante d'Autun, y a-t-il des questions ? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Je vais donc vous parler du transfert des collections dans les collections de la ville du mobilier archéologique issu des dernières opérations archéologiques, notamment deux rues de la Grange Vertu. Vous aurez bien corrigé qu'il n'y a pas de E à Vertu. 9 boulevard Frédéric Latouche, c'est pour le raccordement chauffage urbain. 2 rue Max Poulot et ruelle Saint-Pierre. Donc, rue de la Grange-Vertu ont été trouvés une petite quantité de mobilier, environ un curveur avec des tessons de céramique, de verre, quelques éléments métalliques. Boulevard Frédéric Latouche, au 9, un peu plus de mobilier, 3 curveurs avec donc des céramiques, des fragments de mobilier lapidaire et quelques objets, quelques petites monnaies. 2 rue Max Poulot, un curveur avec beaucoup de tessons, de verre, quelques éléments métalliques. Boulevard Frédéric Latouche, là, beaucoup de mobilier. Beaucoup de mobilier, et c'est d'ailleurs une opération assez ancienne, puisqu'elle date, celle-ci, de 1986. 216 curvaires, ça devait être la construction de l'Hexagone. Très gros lot de fragments d'architecture, de fragments de plaquage, calcaire, roches décoratives, dont un certain nombre en marbre, des fragments de sculpture, des objets en métal, des tessons de céramique. En 93, toujours boulevard Frédéric Latouche, un chapiteau monumental du temple d'Apollon en marbre de Carrare. En 2010, boulevard Frédéric Latouche, donc 100 à 150 curveurs, c'était donc des éléments d'architecture, de fragments de plaquage, des sculptures, des objets en métal, des tessons de céramique. Et puis 2019, quelques tessons de céramique, des clous de cercueil en fer et quelques ossements. Voilà pour ces mobiliers que l'État propose à la commune d'acquérir à titre gratuit, de transférer dans les collections de la ville à titre gratuit. Sur ces transferts de mobilier qui sont assez classiques, y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des oppositions ? Unanimité, je vous remercie. On continue dans les conventions, notamment suite aux reprises de compétences de la communauté de communes pour les sports de pleine nature. Et c'est là avec le club de voile autunois, Éric Marchand. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, considérant que la ville d'Autun et le club de voile autunois souhaitent, par la présente convention, favoriser la pratique de la voile sur la zone de loisirs du Vallon, en coordonnant leurs domaines d'intervention et leurs moyens respectifs. Considérant qu'une participation financière est demandée à l'association pour la mise à disposition et les charges d'un local de stockage appartenant à la ville d'Autun, considérant les modalités de paiement de cette convention,
considérant que cette convention est conclue pour une durée d'un an, renouvelable d'année en année par tacite reconduction. Il est proposé au Conseil municipal, article 1er, d'approuver la signature de la convention entre Ville et le club de voile d'Autun. Article 2, d'autoriser M. le maire ou son représentant titulaire d'une délégation à signer cette convention. Merci Eric. J'indique que pour les conventions, ceux qui sont membres des clubs de voile ou qui sont habillés en marin sont priés de quitter la salle. pour éviter les conflits d'intérêts. sur cette question du club de voile, y a-t-il des questions ? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Il y aura encore quelques conventions. Je vous propose qu'on les fasse parce que tout en même temps. Et donc de continuer dans le nautisme avec le club nautique. Le club nautique, c'est la 5.7. C'est vrai qu'on aurait pu les mettre ensemble et ça va de soi. Ça aura plus de cohérence pour le public qui nous suit, nombreux et passionnés. Sur les réseaux sociaux, mais également dans la salle. On en profite pour dire que le conseil municipal est revenu en public et qu'il est tout à fait possible d'y assister en présentiel. Et merci à ceux qui le font. Et donc 5.7, c'est le club nautique. Eric, si tu peux nous en parler. Alors, considérant que les engagements réciproques ont été arrêtés avec le club nautique, notamment la participation au financement de maîtres nageurs sauveteurs, considérant qu'il convient chaque année de fixer par avenant le montant de la subvention attribuée lors de l'adoption du budget primitif, il est proposé au Conseil municipal, article 1, d'approuver les termes de l'avenant numéro 2 avec l'association Club Nautique joint en annexe, article 2, d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer le dit avenant. Très bien. Pas de nageurs. Donc je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Je propose de poursuivre avec les conventions, comme ça on les aura passées, notamment en revenant dans le domaine culturel. Sarah Pignolet-Defresne avec l'OBAD, c'est le rapport 5.8. Qui est donc un avenant numéro 2 à la convention de 2020, qui, pour le dire très simplement, ne demande le versement d'aucune subvention, contrairement à nos engagements, puisque l'OBAD avait une situation financière meilleure que prévue au moment de la signature. Sarah ? Considérant qu'il convient de formaliser les relations entre la ville et l'association, considérant la situation financière saine de la chorale l'OBAD suite au dépôt du dossier de demande de subvention 2022, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer l'avenant et tout autre document y afférent avec la chorale l'OBAD, étant précisé qu'aucune subvention ne sera mandatée sur cet exercice au vu de la situation financière saine de l'association. Merci Sarah. Et effectivement, vous le verrez aussi dans le vote du budget, certaines associations ayant une trésorerie n'ont pas demandé, pas reçu ou eu des subventions en conséquence de leur trésorerie. On peut poursuivre. Donc Monique Gattier vient de rejoindre le conseil municipal après la visio avec le préfet. On attend toujours Patrick Cailleux. Donc avant la lecture du rapport 5.9. Et 5.9, c'est la convention avec l'association La Chapelle Notre-Dame des Sept Dormants. Pas de dormants, pas de membres de la Biennale d'Art Sacré Contemporain. Pas ici, non. Alors Patrick, vas-y. Considérant l'édition 2023 de la Biennale d'Art Sacré Contemporain organisée par l'association Chapelle Notre-Dame et des Sept Dormants, considérant qu'il convient de formaliser les relations entre la ville et l'association, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer l'avenant et tout autre document y afférent avec l'association Chapelle Notre-Dame et des Sept Dormants, dont le montant de subvention est fixé à 15 000 euros. Très bien, merci beaucoup. Donc la biennale qui aura lieu cet été ou l'été prochain, je suis perdu avec le Covid. 2023. Biennale d'art sacré contemporain de 2023. Tous les deux ans, avec Jérôme Le Kim et
Yves-Marie Bouennec. Sur cette convention pour l'association Chapelle Notre-Dame des Sept Dormants et leur programme remarquable d'art sacré contemporain, y a-t-il des questions ? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et là, je vais demander, parce que je sais qu'il y en a dans la salle, aux membres de l'association Autun Destination Culture de quitter la salle du Conseil. Donc Sarah Pignolet de Fresnes, Gauthier Jiménez n'est pas présent, pas d'autres membres de cette association qui a succédé à l'Office municipal de la culture, et donc Patrick Rion. Considérant que l'association Autun Destination Culture a pour objet d'aider la municipalité à construire la saison culturelle autunoise et de promouvoir les initiatives culturelles, considérant qu'il convient de formaliser les relations entre la ville et l'association, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer la convention ou tout autre document y afférent avec l'association Autun Destination Culture, dont le montant de subvention a été fixé à 5 000 €. Merci. Donc c'est l'association qui a succédé à l'Office municipal de la culture qui programmait le théâtre. C'est toujours le cas de ADC, mais qui également encaissait les recettes et payait les compagnies. Ça a été repris en interne par la ville. Et Autun Destination Culture gère, en plus des activités de l'OMC de l'époque, la galerie associative municipale du passage, et donc a un comité de pilotage, de programmation art plastique, qui fait donc la programmation de ce lieu. Il recherche toujours des bénévoles. Et il demande 5 000 € pour participer au fonctionnement. C'est principalement du consommable, les inaugurations, les vernissages, etc. De fonctionnement classique de l'association. Le déplacement aussi à Avignon pour aller voir les compagnies et nous programmer des spectacles comme La fin du monde, qui était donc jeudi, et d'autres spectacles. Je crois que c'est Jeanne Barret, vendredi soir, au théâtre municipal. Le 8, donc ce vendredi, donc avec Jacques Arnoux, sur cette aventurière locale et en même temps internationale. Sur Autun Destination Culture et cette subvention de 5 000 €, y a-t-il des questions ? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions, unanimité ? On va rappeler Sarah Pignolet de Fresnes pour passer... Patrick Cailleux est là ? Ah. On va l'attendre. Et donc, pour l'association Spectacle Historique, donc, sort de la salle, donc Mickaël Guigeot est en train de sortir. Éric Marchand, je crois que tu dois sortir. Non, tu ne fais pas partie de l'association Augusto Dunhomme ? Tu n'es pas responsable, tu es simple bénévole. Bon. Cathy Nicolao, Anatole Sago. Qui fait partie des responsables de l'association, administrateurs, je crois. Pas d'autres administrateurs, on est un peu tous bénévoles de cette figurant. Le quorum est fixé à un tiers, c'est ça ? Toujours à un tiers ? La moitié plus un. Eh bien, je vais compter. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a, Joseph ? Il faut 17 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le quorum est atteint malgré cette association importante et populaire avec laquelle nous proposons de conclure une convention pour cette année. Une convention pour cette année avec l'association Spectacle Historique d'Autun. Les engagements réciproques vous ont été... donc c'est une convention à la fois en numéraire mais aussi en prestation, rédaction d'une page de présentation de l'événement dans le guide de l'été, parution fin juin, sur le site web de la ville, valorisation des événements, le festival historique des mômes et les portes du temps sur les réseaux sociaux, impression et pose d'une bâche d'entrée de ville, route de Dijon à partir du 13. Voilà, imprimé en haute définition, 5 panneaux d'issue 7 sur le réseau d'affichage du 10 juillet au 15 août, réseau d'affichage qu'on est en train de renouveler. Vous savez qu'on est en train
On va bientôt publier le marché public sur l'affichage urbain, qui nous permettra aussi d'afficher les spectacles du théâtre. On va essayer d'avoir une colonne pour afficher les spectacles. 25 spots publicitaires sur Autoroute Info entre le 6 et le 20 juillet et d'aide en communication, l'équivalent de 3500 euros pour soutenir une action promotionnelle engagée par l'association avec la prise en charge d'une facture sur devis. Plus donc 22 000 euros en numéraire dont le versement s'effectuera en une seule fois dès la signature de la présente convention. Sur la convention avec le spectacle historique d'Autun, Augusto Dunhomme, y a-t-il des questions ? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. On peut faire rentrer les conseillers intéressés. Vincent Vautrin, Cathy Nicolaou, Michael Guigeot, Anatole Sago. Et passer peut-être, si vous le permettez, à la dernière convention, comme ça on les aura toutes traitées. Patrick Rion, du coup, quitte la salle. C'est l'association Eveneco qui porte la foire économique. Y a-t-il d'autres membres administrateurs de cette association Eveneco ? Non. Donc Patrick Rion, qui en était membre avant d'être élu conseiller municipal. Et du coup, je la cherche. C'était l'avantage d'avoir les choses mises dans l'ordre. Et bien, Cathy Nicolaou. L'association Eveneco organise du 22 au 25 septembre 2022 la 8e foire économique d'Autun. Je vous rappelle que la foire économique, c'est plus de 15 000 visiteurs attendus, plus de 130 exposants, 10 000 mètres carrés d'exposition, et tout cela à l'Éduin. Considérant que cette foire économique d'Autun permet aux exposants du territoire et d'ailleurs de proposer une vitrine commerciale diversifiée aux visiteurs, considérant que dans le cadre de l'organisation 2022 de la foire économique d'Autun, Eveneco a sollicité le soutien financier de la ville à hauteur de 20 000 euros et que cette subvention est d'ores et déjà inscrite au budget primitif 2022. Considérant que l'organisation d'un tel événement nécessite une logistique importante et que l'association sollicite également l'aide des services de la ville pour une mise à disposition de moyens humains et matériels, considérant d'une part les moyens financiers, humains et matériels qui seront mis en œuvre pour la réussite de cette manifestation et d'autre part l'obligation pour la collectivité de suivre l'emploi des aides financières et ou des aides en nature qu'elle octroie, une convention d'objectifs doit être formalisée. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention d'objectifs à intervenir avec l'association d'Eveneco, jointe en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant reçu délégation à signer la dite convention. Une foire expo cette année avec la présence de la comédienne Julie Ferrier, une web télé pour laquelle la ville sera d'ailleurs partenaire, un concours de bovins, un espace type parc d'attractions et bien d'autres choses à découvrir encore. C'est un concours agricole au sens large puisqu'il y aura peut-être la participation. Le concours, la foire agricole, comme tous les ans. Et bien sûr, c'est comme les années habituelles, au moment de la foire économique, le concours reconnu Airbook Charolais est organisé par la Société d'agriculture. Très bien. Donc pour cette 8e foire économique, donc Patrick Rion est sorti, il faut procéder au vote pour cette subvention de la ville qui participe aux côtés de l'ensemble des autres financeurs à hauteur de 20 000 euros. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité. Et pendant que Patrick Rion rentre, on m'indique également qu'en termes d'événements, je n'ai pas mentionné, je le fais immédiatement, le festival Rêvons l'Histoire du 28 au 30 avril, avec plus de 200 bénévoles, et notamment le spectacle Les Jeux de César le samedi à 18h au Théâtre Romain, avec des ateliers de confection de costumes, des danses péplum et un spectacle avec des rapaces. Donc c'est du 28 au 30 avril au Théâtre Romain. Et ensuite le spectacle Son et Lumière, donc je n'avais pas donné les dates, je les donne. 29, 30 juillet, 3, 5, 6, 10, 12, 13 août 2022. Et les Jeux de Saône-et-Loire aussi, mais ça on a déjà passé les délibérations, Eric, et moult délibérations.
mais qui seront également un événement important au Théâtre Romain en mai. Je vous propose de revenir à l'ordre du jour du Conseil municipal avec le rapport 5.1 qui est celui de l'affectation des résultats de l'exercice 2021. Véronique Paco. Merci, Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs. Donc, l'affectation des résultats de l'exercice de l'année 2021, vu l'article 21-21-29 du Code général des collectivités locales fixant les conditions de reprise des résultats d'un exercice clos par l'Assemblée délibérante, vu l'ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, vu la fiche de calcul établie par l'ordonnateur et certifiée par le comptable, vu l'état des restes à réaliser à la date du 31 décembre 2021, visé par l'ordonnateur et le comptable, vu le compte de gestion définitif établi par le comptable et le tableau des résultats de l'exécution visé par le comptable, il est proposé au conseil municipal d'approuver dans son article premier la reprise des résultats de clôture de l'exercice de l'année 2021 dès le vote du budget primitif 2022 dans les conditions suivantes pour le budget principal, à savoir un excédent de clôture de la section de fonctionnement pour un montant de 5 405 208 000 euros, un excédent de clôture de la section d'investissement pour un montant de 1 183 942 euros, dans son article 2 de reprendre les résultats 2021 du budget principal dans les conditions suivantes. Reprise du solde d'exécution de la section d'investissement faisant l'objet d'un simple report en section d'investissement pour un montant de 1 183 942 et le fractionnement en deux parties de l'excédent de fonctionnement, à savoir une première fraction affectée en section d'investissement pour un montant de 2 931 570 euros et une deuxième fraction reportée en section de fonctionnement pour un montant de 2 473 637 euros. L'article 3 donc vous permettra d'approuver la reprise des résultats de clôture de l'exercice 2021 dès le vote du BP 2022 dans les conditions suivantes pour le budget annexe des IPDR. Excédent de clôture de la section de fonctionnement pour 190 095 euros, déficit de clôture de la section d'investissement pour un montant de 138 529 euros. Article 4, de reprendre les résultats 2021 du budget annexe des IPDR dans les conditions suivantes, à savoir la reprise du solde d'exécution de la section d'investissement faisant l'objet d'un unique report en section d'investissement pour le montant de la somme de 138 529 euros et le fractionnement en deux parties de l'excédent de fonctionnement. Première fraction en section d'investissement pour répondre aux besoins de financement de la section d'investissement qui tient compte des dépenses et des recettes reportées, à savoir la somme de 147 152 euros et une deuxième fraction reportée en section de fonctionnement pour un montant de 42 942 euros. À l'article 5, d'approuver la reprise des résultats de clôture de l'exercice 2021 dès le vote du budget primitif 2022 dans les conditions suivantes pour le budget annexe de l'assainissement, à savoir un excédent de clôture de la section de fonctionnement d'une somme de 296 604 euros et un excédent de clôture de la section d'investissement d'un montant de 328 390 euros. Et de reprendre les résultats 2021 du budget annexe de l'assainissement dans les conditions suivantes, à savoir reprise de l'excédent d'investissement 2021 faisant l'objet d'un simple report en section d'investissement pour la même somme de 328 390 euros et le report de l'excédent de fonctionnement en section fonctionnement 2021 en section de fonctionnement pour 296 604 euros. Merci beaucoup. Donc, rapport classique annuel d'affectation des résultats. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ?
Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Admission en non-valeur et créance éteinte. Jean-Louis Guillon. C'est bon. Bien. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Alors, admission à nos valeurs et créances éteintes, considérant les listes des titres de recettes irrécouvrables transmises par la trésorerie municipale pour un montant total de 5 041,71 €, qui concernent la taxe locale publicité extérieure pour 405 €, l'occupation de domaine public pour 458 € et remboursement consommation d'eau pour 4 177 €. Considérant les causes de l'arrêt des procédures de recouvrement forcé, jugement de clôture pour insuffisance d'actifs ou certificat d'irrécouvrabilité, personne décédée et demande de renseignement négatif, procès-verbal de carence. Il est proposé au Conseil municipal, article 1er, d'approuver ces pertes sur créances irrécouvrables, dont le montant total s'élève à 5 041 €, dépenses imputées à l'article 65-41, créances admises en non-valeur, pour 4 177 € et à l'article 65-42, créances éteintes pour 864 € sur le budget principal. Article 2, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Donc, rapport classique sur les admissions en non-valeur et créances éteintes. Taxe locale de la publicité extérieure qui cible des entreprises qui ont pu disparaître et donc pour lesquelles on ne peut pas recouvrer cette taxe. Pareil pour les occupations de domaine public. Et le remboursement de la consommation en eau. Donc il s'agit d'une personne qui était logée dans un logement d'urgence après une procédure d'expulsion pour insalubrité et qui, en 6 mois, s'est vu facturer 821 mètres cubes d'eau. Ce qui est à peu près 10 fois la consommation normale d'un foyer, pour un montant donc de 4 093 €. Et donc qui n'a pas pu honorer cette dette, qui depuis a été relogée. C'est le gros de ce remboursement de la consommation d'eau dans un logement de la ville. Ça peut arriver parfois sur des logements assez et même plus que vétustes qu'on a pu découvrir et remettre au goût du jour grâce aux bénévoles très rapidement et aux services techniques de la ville. Il y avait visiblement une fuite ou quelque chose de ce genre et qui maintenant sont à disposition des familles ukrainiennes. Il faudra quand même vérifier sur l'eau qu'il n'y ait pas une fuite quelque part quand elles ouvrent, parce que là, c'est vrai que 821 mètres cubes en 6 mois, c'est quand même très étonnant. Bon, voilà. Sur les admissions en non-valeur et créances éteintes, y a-t-il d'autres questions ? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et le budget principal, le point 5.3, dont je donne la lecture synthétique à Véronique Paco. Merci, monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs. Donc, je vous présente les résultats de clôture 2021 repris par anticipation dans l'élaboration du budget primitif, soit un excédent global de clôture sans les restes à réaliser de 6 589 150 €, avec les reports, un résultat final de 2 473 637 € pour la section de fonctionnement. Les principales dépenses et recettes du budget primitif sont: section de fonctionnement en dépenses au chapitre 011, charges à caractère général pour un montant de 4 969 206 000 €. Chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés pour un montant de 6 709 420 €. Chapitre 014, atténuation de produits, la somme de 771 050 €. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, la somme de 1 818 796 €. Chapitre 66, charges financières, la somme de 448 900 €. Chapitre 67, charges exceptionnelles,
11 500 €. Chapitre 022, dépenses imprévues, 1 180 000 €. Chapitre 023, virement à la section d'investissement, 2 300 000 €. Chapitre 042, opération d'ordre de transfert entre sections, la somme de 884 620 €. En recettes, chapitre 002, résultats reportés par anticipation, 2 473 637 euros. Chapitre 013, atténuation de charges, 13 500 euros. Chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses, 842 950 euros. Chapitre 73, impôts et taxes, 9 182 800 euros. Chapitre 74, dotations et participations, 6 396 744 euros. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 118 900 euros. Chapitre 042, opérations d'ordre de transfert entre sections, 65 950 euros. Sur la section d'investissement en dépenses, chapitre 20, immobilisation incorporelle, 189 142 euros. Chapitre 204, subvention d'équipement versée, 87 444 euros. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 1 173 500 euros. Chapitre 23, immobilisation en cours, 2 711 357 euros. Opération d'équipement, 3 148 558 euros. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 2 377 430 euros. Chapitre 26, participations et créances rattachées, 31 900 euros. Chapitre 020, dépenses imprévues, 124 512 euros. Chapitre 040, opérations d'ordre transfert entre sections, 65 950 euros. Chapitre 041, opérations patrimoniales, 200 000 euros. Les restes à réaliser s'élèvent à 5 736 455,82 euros. En recettes, chapitre 001, solde d'exécution reporté, 1 183 942 euros. Chapitre 13, subvention d'investissement, 4 123 184 euros. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 2 millions d'euros. Chapitre 10, dotations, fonds divers et réserves, 3 531 570 euros. Chapitre 165, dépôts et cautionnements reçus, 1 000 euros. Chapitre 021, virement de la section de fonctionnement, 2 300 989 euros. Chapitre 040, opération d'ordre transfert entre sections, 884 620 euros. Chapitre 041, opération patrimoniale, 200 000 euros. Les restes à réaliser s'élèvent à 1 620 943 euros, soit un budget total équilibré, toutes sections confondues, à 34 940 731,69 euros, 19 094 481 en section de fonctionnement et 15 846 249 en section d'investissement. Concernant le budget des IPDR, donc je vous présente les résultats de clôture 2021, donc soit un excédent global de clôture sans les restes à réaliser de 51 566,47 euros. Soit, avec les reports, un résultat final de 42 942 euros pour la section de fonctionnement. Concernant la section de fonctionnement en dépenses, vous retrouverez au chapitre 011 les charges à caractère général pour la somme de 918 240 euros. En 2022, seulement 3 trimestres de budgétés concernant les contrats de prestation de location et d'assurance, dont la gendarmerie, donc ce qui représente la somme de 632 820 euros.
Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 300 euros. Chapitre 66, charges financières, 20 878 euros. Chapitre 67, charges exceptionnelles, 2120 euros. Chapitre 022, dépenses imprévues, 5 500 euros. Chapitre 023, virement à la section d'investissement, 173 244 euros. Chapitre 042, opération d'ordre transfert entre sections, 38 010 euros. Section de fonctionnement en recettes, chapitre 002, résultats reportés par anticipation pour la somme de 42 942 euros. Chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses, 21 850 euros. Chapitre 74, dotations et participations, 341 649 euros. Chapitre 75, autres produits de gestion courante, 751 150 euros. Donc, et au chapitre 042, la dernière ligne, opération d'ordre de transfert entre sections, 700 euros. Concernant la section d'investissement en dépenses, chapitre 001, le solde d'exécution reporté s'élève à 138 529 euros. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 8 010 000 euros. Il s'agit de l'ouverture des crédits pour l'acquisition de la gendarmerie, dont le dernier bail de sous-location par la DGFiP, pôle gestion domaniale de la BFC, se termine le 30 septembre 2022. Chapitre 23, immobilisation en cours, 83 200 euros. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 117 300 euros. Chapitre 020, dépenses imprévues, 1 054 euros. Chapitre 040, opération d'ordre transfert entre sections, 700 euros. Chapitre 041, opération patrimoniale, 4 100 euros. Section d'investissement en recettes au chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, 147 152 euros. Chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 8 millions d'euros. Chapitre 165, dépôts et cautionnements reçus, 1000 euros. Chapitre 021, virement de la section de fonctionnement, 173 244 euros. Chapitre 040, opération d'ordre transfert entre sections, 38 010 euros. Chapitre 041, opération patrimoniale, 4 100 euros. Soit un budget total équilibré, toutes sections confondues, à 9 552 727,41 euros, 1 158 292 euros en section de fonctionnement et 8 394 435,41 euros en section d'investissement. Concernant le budget de l'assainissement, donc, il comporte un excédent global de clôture, sans les restes à réaliser, de 624 995 euros. Soit, avec les reports, un résultat final de 393 956 euros pour la section de fonctionnement. En dépenses, chapitre 011, charges à caractère général, 6 345 euros. Chapitre 65, autres charges de gestion courante, 2 euros. Chapitre 66, charges financières, 11 000 euros. Chapitre 68, dotation aux provisions et dépréciations, 94 575 euros. Chapitre 023, virement à la section d'investissement, 204 734 euros. Chapitre 042, opération d'ordre transfert entre sections, 397 000. En recettes, chapitre 002, résultats reportés, 296 604 euros. Chapitre 70, vente de produits fabriqués et prestations, 309 000 euros. Chapitre 74, subvention d'exploitation, 13 000 euros. Chapitre 77, produits exceptionnels, 2 euros. Chapitre 042, opération d'ordre transfert entre sections, 95 050 euros.
concernant la section d'investissement en dépenses au chapitre 23 immobilisation en cours, 529 536 euros. Chapitre 16 emprunts et dettes assimilées, 31 000 euros. Chapitre 020 dépenses imprévues, 43 500 euros. Chapitre 040 opérations d'ordre transfert entre sections, 95 050 euros. Chapitre 041 opérations patrimoniales, 50 000 euros. En recettes, chapitre 001 solde d'exécution reporté, 328 390 euros. Chapitre 021 virement de la section de fonctionnement, 204 734 euros. Chapitre 040 opération d'ordre transfert entre sections, 397 000 euros. Chapitre 041 opération patrimoniale, 50 000 euros. Soit un budget total équilibré, toutes sections confondues, à 1 871 284,54 euros, 713 656,32 euros en section de fonctionnement et 1 157 628,22 en section d'investissement. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver pour chacune des sections fonctionnement et investissement et de chacun des chapitres aux chiffres indiqués ci-dessus le projet de budget primitif du budget principal de la ville d'Autun et de ses budgets annexes pour l'exercice 2022, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant en délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup pour ce budget. Donc je précise qu'on a reçu la procuration de Catherine Leflon. J'ouvre la discussion s'il y a des questions. Donc, Frédéric Brochot, Michaël Guigeau, y a-t-il d'autres personnes qui souhaiteront prendre la parole? Alors Frédéric Brochot. Merci. Non, juste déjà pour les personnes qui ont fait les soustractions et puis les additions et sûrement s'est un petit peu creusé la tête. Moi, je tiens à saluer le travail des services, bien sûr, de Madame Henriot et également que ce soit du cabinet Damien et puis également Éric Perret pour le travail qui est fait. Voilà, je vais pas en dire trop. J'étais intervenu lors du débat d'orientation budgétaire et c'est les mêmes ressentis. Il est difficile de dire quoi que ce soit aujourd'hui sur un budget. On le verra après, mais moi ce que je vois quand même, c'est déjà que la fiscalité ne bougera pas. Ça, c'est déjà un point essentiel. Surtout avec la crise que l'on traverse et puis que je pense on va traverser encore bien de longs mois. Après, difficile aussi d'évaluer ce qui va être réellement des dépenses. Et je l'avais déjà dit par rapport à ce qui est tout ce qui est énergétique, puis également sur les différents travaux avec des surcoûts. Donc voilà, l'autre fois, nous nous sommes abstenus sur ce budget, et je l'avais dit un petit peu en boutade, on pourrait dire qu'il manque un peu d'enthousiasme ou de perspective, mais aujourd'hui, l'avenir est tellement flou qu'il faut plus aujourd'hui penser et à nos concitoyens, à leur pouvoir d'achat. Je pense que voilà, il y a des choses que certainement on aurait vu d'une autre manière, ou alors des décisions qui soient prises d'une autre façon. Je remarque quand même que voilà, il y a un remboursement d'emprunt, si je me souviens bien, de 2,2 millions hein, de tête. Un emprunt, voilà, de 2 millions qui est renouvelé. Bon, une maîtrise, mais voilà, il y a quand même le volet où il y a un gros investissement et ce qui est sur le projet panoptique qui, pour moi,
Voilà, à un moment donné, il faudra phaser, je pense, et on a échangé ensemble qu'il faudra phaser. J'ai peur que l'endettement, quand même, de la ville augmente à un moment donné, dans les deux années à venir, qu'il augmente assez fortement. Donc voilà, ça ne sera pas une abstention, mais ça sera juste, du moins, ça ne sera pas un vote contre, juste une abstention. Voilà. Mais merci beaucoup. Et quelques points sur lesquels je souhaite rebondir. Effectivement, un grand coup de chapeau au service, parce qu'on en a parlé lors du débat d'orientation budgétaire et on a eu les chiffres définitifs seulement aujourd'hui sur la péréquation. Et bien malin pouvait dire, avec les nouvelles règles, quels étaient les chiffres qui allaient tomber. Et on est dans le bon, on est dans le vrai, et on avait vu à peu près juste. Donc le calibrage est bon de ce côté-là. On avait échangé également sur la question de l'augmentation des coûts des travaux, l'augmentation des coûts énergétiques. Bon, on ne va pas tellement y revenir. Ça touche un peu toutes les communes. Il y en a qui en profitent ou qui sont contraintes d'augmenter fortement leur fiscalité pour pouvoir y faire face. Nous, on a décidé de ne pas augmenter la fiscalité, mais de réduire le chauffage dans certains équipements, de réduire l'éclairage public un peu, de faire des cessions d'actifs, on en verra tout à l'heure, d'essayer de gérer au mieux aussi les frais de personnel, même s'il y a une augmentation du point d'indice qui a été décidé, qui va venir nous impacter, mais d'absorber dans le budget propre de la ville, cette hausse qu'on espère la plus temporaire possible des coûts de l'énergie. Mais on avait parlé des coûts des chantiers de manière générale, et notamment des chantiers qui sont en maîtrise d'œuvre ville, où la ville porte 20% en autofinancement, pour dire que bien quand les cofinanceurs se sont mis d'accord sur 80% et que le coût augmente, il ne fallait pas que le reste à charge et l'augmentation soit 100% prise par la ville. Et ça me semble tout à fait important. C'est une remarque très juste qui avait été faite. Et dans les dernières discussions avec les financeurs, dont le département, la région, c'est quelque chose qui a été partiellement entendu, parce que la région, comme le département, comme l'État, sans citer un exemple célèbre et très récent, et à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, la RCEA, où l'État est obligé de revenir vers les collectivités parce que finalement le chantier coûte plus cher, ben, en ce moment, avec la hausse des coûts, entre les accords de financement et puis la réalisation, souvent il y a un deuxième tour de table pour regarder comment se répartir. Et effectivement, il ne faut pas que le maître d'œuvre se retrouve seul à absorber les augmentations. On y veillera. Et pour l'instant, dans la PCP que nous avons votée, c'était le cas. Mais on a une APCP sur le champ de Mars. On a des investissements à prévoir sur de toitures, d'isolation, etc., qui vont aussi peut-être demander de renégocier des subventionnements. Et on a une volontaire en administration qui est un poste créé exprès, une sorte d'alternante qui est là justement pour suivre au mieux les différentes subventions et aller chercher les subventions européennes, régionales, du parc quand elles existent. Et donc effectivement, on a essayé de préserver au maximum le pouvoir d'achat. Donc on a revalorisé du montant de l'inflation, qui est quand même important. On est à 4,5% en rythme annuel, hein. Donc on en parlera tout à l'heure, certains tarifs d'occupation du domaine public, de d'échafaudage. On avait au précédent conseil voté c'est légal, c'est obligatoire, la TLPE, la taxe sur les enseignes, sur la publicité. Voilà, donc on revalorise un petit peu un certain nombre de droits, de taxes, d'occupation du domaine public, mais sans toucher à la fiscalité des ménages. Ce que je souhaitais dire pour compléter effectivement un travail qui est compliqué, avec une incertitude, donc un budget très 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 prudent, avec un désendettement de 200 000 euros. Beaucoup de travaux à finir, hein. Vous allez voir, ça va commencer place de gain, mais c'est déjà des travaux qui ont été votés, budgétés, payés, engagés sur les années précédentes. Et donc un certain nombre d'incertitudes sur ce qu'il pourra être fait cette année. Michael Guigeau.
Oui, m'associer au remerciement qui vient d'être fait pour la qualité des documents budgétaires et le travail qui y correspond. Ce travail, je sais qu'il n'est pas évident, parce que bâtir un budget, c'est compliqué, et je sais que la ville a certaines contraintes au niveau de son budget. Le potentiel financier de notre commune, c'est-à-dire sa capacité à mobiliser des recettes fiscales, sont restreintes, c'est structurel, c'est comme ça, c'est la faute à personne, mais on est en dessous de la strate, aux environs de 20%, en diminution. Et pour l'effort fiscal, c'est-à-dire la capacité qu'on a de générer de la fiscalité supplémentaire, on est déjà très haut. Donc, à un moment donné, notre commune, c'est pas une commune riche, c'est une commune avec des foyers fiscaux, ordinaire, plutôt moyen. Donc, la capacité à générer de la fiscalité, on sait très bien qu'elle est inopérante, parce qu'elle ne sera pas efficace. Donc, d'augmenter les taux, ça pourrait être, effectivement, dans d'autres collectivités, ça se fait. Ce n'est pas souhaitable par rapport au pouvoir d'achat, ça a été rappelé. Et en plus, ce ne serait pas efficace. Donc ça, c'est le premier point. Ces points, ils s'expliquent également parce que la ville d'Autun, ce n'est pas une commune de 13 000 habitants accolée à une métropole comme Dijon ou autre. C'est une ville qui porte des charges de centralité très importantes. On voit dans le budget, à un moment donné, s'il y a des amateurs qui disent jusqu'en profondeur le budget de la commune, vous pourrez voir qu'on a d'importantes dépenses au niveau des équipements. C'est-à-dire, parce qu'on a des charges de centralité qui sont importantes, et du coup, l'encours de la dette par habitant est important. Mais c'est le cas de toutes les collectivités de cette nature. Donc on ne doit pas, à un moment donné, comparer ce qui n'est pas comparable. La logique de strate, c'est un peu compliqué, parce qu'on compare des communes qui n'ont pas forcément, on va dire, les mêmes caractéristiques. Donc ça, c'est fondamental, en tout cas, à avoir à l'esprit. En plus, si on y rajoute les contraintes conjoncturelles, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, c'est-à-dire l'inflation, c'est-à-dire le coût des fluides, effectivement, on se rend bien compte que cette conception de budget, elle n'est pas simple. Pour aller un petit peu dans le détail, si on regarde les dépenses de fonctionnement, on voit que les charges à caractère général, elles augmentent, on sait tous pourquoi, on vient de l'expliquer, et les charges de personnel, il y a des transferts qui sont en cours avec la petite commune ou qui sont déjà actés, et ça se répercute dans ce budget, c'est visible. Par contre, si on regarde les dépenses totales de dépenses de fonctionnement, on est à 19,1 millions, et l'an dernier, on était à 19,3. C'est-à-dire que on voit que vous avez serré le budget. On a des augmentations importantes sur certains postes des dépenses de fonctionnement, mais paradoxalement, on est en diminution. Donc, on voit qu'il y a eu un resserrage important qui se comprend dans la situation. Pour ce qui est des recettes de fonctionnement, là, j'ai bien entendu que tu as dit tout à l'heure qu'on avait des bonnes nouvelles sur les dotations de péréquation, et je pense qu'on en aura des bonnes, parce que les principaux indicateurs que je viens de citer tout à l'heure, le potentiel financier et l'effort fiscal, sont des éléments déterminants dans les calculs de dotation de péréquation. Et à ce niveau-là, on est une commune qui aura sans doute besoin davantage d'aide en termes de péréquation que d'autres. Donc je pense qu'on pourrait avoir de bonnes nouvelles en termes de dotation de péréquation. Donc si tu viens de le confirmer, en tout cas si les attendus sont confirmés, c'est déjà bien. Et on espère que la réforme qui a été, on va dire, votée récemment pourra nous apporter quelques bénéfices supplémentaires. Pour les dépenses d'investissement, donc là, on est en diminution d'un million d'euros environ par rapport aux ambitions de l'année dernière. Donc, je pense que c'est lié à la prudence, qui est évidente. Malgré l'augmentation des investissements progressifs pour le musée. Pour les recettes d'investissement, rien à signaler de particulier, sauf que
les subventions liées au musée Rollin commencent à rentrer, c'est ce que j'imagine, dans certaines lectures. Et pour équilibrer la section d'investissement, donc un emprunt de 2 millions d'euros, ce qui me paraît raisonnable, et la capacité des endettements est aussi raisonnable. Donc, à un moment donné, on rembourse les 2 millions d'euros, le delta sera de 200 000 euros, hein, tu viens de le dire, donc on est sur quelque chose de correct. Pour ma part, je trouve ce budget justement rigoureux et prudent. Donc je serai pour ce budget, tout en sachant que je serai vigilant à ce que le côté rigoureux et prudent ne devienne pas de la rigueur sur le long terme. Parce que je pense qu'il y a une situation qui est compliquée, qu'on doit faire attention, etc. Vous avez raison, mais je l'espère, on sortira de ces considérations dans quelques mois, je l'espère pas dans quelques années, qu'on pourra retrouver des marges de manœuvre pour que l'action publique puisse continuer à être volontariste et que les efforts qu'on aura faits maintenant vont payer. Et là, je me suis amusé en voyant cette petite grenouille qu'on a sur nos tables. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, eh ben, on a raison de ne pas être la grenouille, parce qu'à un moment donné, elle éclate. Voilà. Merci. Merci. Effectivement, un des aspects importants de nos dotations, même si la péréquation va nous être plutôt favorable, en tout cas, on avait assez bien estimé, c'est l'évolution de la population. Et tout l'enjeu, c'est faire en sorte que notre solde démographique naturel, qui est plutôt négatif, avec davantage de décès que de naissances, se rétablisse et qu'on puisse attirer. Il y a le département qui a encore fait tout à l'heure, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, Paris, je te quitte, avec la pub pour Autun. On voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui choisissent de s'installer ou de revenir dans notre ville. On voit qu'il y a un certain nombre de personnes du territoire ou du Morvan en général, qui décide d'être au plus près des services de santé et le renforcement du pôle hôpital clinique va dans ce sens. Enfin, on connaît la stratégie générale, l'amélioration aussi des logements, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de logements vétustes, et le programme Action Cœur de Ville et son programme d'amélioration de l'habitat, de rénovation urbaine, doit permettre aussi d'offrir des logements décents au centre-ville. Doit nous amener à une stabilisation, voire une hausse de la population, parce que finalement, une partie importante des dotations en sont fonction. On voit une dynamique très positive, par exemple, sur le quartier de Saint-Pantaléon. Il y a vraiment une vacance qui se réduit, des personnes qui vont habiter. Il y a eu des programmes aussi importants avec la SEMCODA sur la résidence Pectorios. C'est un quartier qui va de l'avant. L'idée, c'est aussi que l'ensemble des quartiers de la ville retrouvent leur attractivité, et notamment la place de Gain, je pense, a été assez anticipée par les investisseurs. On a vu beaucoup de ventes se faire au cours des derniers mois sur des personnes qui font le pari d'une évolution vers le haut du caractère agréable de ce quartier. Sur les équipements, effectivement, il y a beaucoup de dépenses. C'est là aussi où on a pu faire un peu d'économie en termes de chauffage. On sait que la salle Joseph Chanliot est une passoire thermique et un gouffre financier. Et vous avez vu dans ce budget des études, parce qu'il y a un certain nombre d'appels à manifestation d'intérêt auxquels on a candidaté, que ce soit dans le plan de relance, dans le cadre des établissements sportifs dans les quartiers politiques de la ville, dans le cadre du sport santé, dans le cadre des 1000 dojos. On va essayer de profiter au maximum de toutes ces subventions pour faire un programme cohérent au service de la population, d'une population aussi qui a d'autres besoins en termes de pratiques sportives, de plus de sport santé peut-être, plus de proximité, et en même temps moins de consommation énergétique et moins de charges générales sur le bâtiment. Et puis effectivement, il y a un enjeu sur la mobilisation des subventions. Quand on regarde dans la section d'investissement, à 300 euros près, on a 3 millions de subventions qui nous sont fléchées par la DRAC et la région, et, donc enfin par l'État et la région notamment.
3 millions de subventions qui nous sont fléchées cette année. Ça suppose que derrière, on puisse exécuter, parce que ce ne sera pas des subventions qui vont arriver si on ne fait rien. Ce sera des subventions sur des projets. Donc c'est pour ça qu'on vient de voter le début des fouilles. On va étudier et valider l'avant-projet sommaire qu'on présentera à un prochain conseil municipal. Puis l'idée, c'est que eh bien, ces 3 millions d'euros qui sont fléchés sur cette année pour nous, on puisse les consommer. Parce que si on n'est pas au rendez-vous dans les temps, eh bien, notre plan de financement est fragilisé. Et des subventions qui sont aujourd'hui mobilisées sur la ville par la région et par l'État risquent de ne pas repasser deux fois. Donc là, il y a un enjeu vraiment d'avancement des travaux. C'est aussi pour ça que les investissements courants sont un peu en retrait, c'est qu'on a un certain nombre, comme je l'ai dit, d'investissements reportés, des choses qui étaient votées, qui étaient où les marchés sont passés et puis qui n'ont pas pu être faites en 2021, qui vont être faites en 2022. Donc on est peut-être prudent budgétairement, mais ça correspond aussi à une réalité où il faut déjà réaliser ce qu'on a voté et payé, ou qu'on payera à la fin, mais en tout cas qui est engagé. Et puis aussi permettre de consommer les crédits. Si on affichait trop d'investissements et qu'on ne pouvait pas le consommer, d'une part, on perdrait notre crédibilité vis-à-vis des financeurs. Et en plus, on serait peut-être pas en capacité de le faire, ce qui ferait un budget insincère. C'est pour ça que je préfère qu'on parte sur quelque chose avec Véronique Paco de crédible, mais de très prudent, quitte à revenir en cours d'année sur... une reprogrammation et de nouveaux investissements. L'enjeu aussi qu'on va avoir avec le service finance et puis l'adjointe aux finances, ça va être aussi progressivement d'anticiper, parce qu'on vote les budgets assez tard. Bon, la communauté de communes aussi les vote tard. Mais ce qui fait, et on le voit, ça atteint une certaine limite, c'est que finalement, on passe les marchés... en avril, mai, juin, et puis les travaux commencent ou pas en septembre, octobre. Et si on arrive à anticiper le cycle budgétaire, ça va être un gros enjeu, un gros défi. On pourra aussi programmer mieux, exécuter plus tôt, mais ça va supposer aussi un travail des services finances encore plus intense, et un travail aussi de validation, quand les associations déposent au 15 octobre. Le temps qu'on étudie les dossiers, qu'on les fasse remonter, de toute façon, on ne peut pas forcément être prêt avant janvier-février. Il y a des collectivités qui arrivent à voter leur budget en novembre ou en décembre. On va essayer. Voilà. Et puis l'affectation des résultats, c'est aussi un vrai enjeu. Est-ce qu'on affecte tout de suite ou est-ce qu'on anticipe et on affecte plus tard? C'est des choix à faire, mais il faudra se poser la question parce qu'effectivement... on vote des investissements qu'on réalise un peu tard. Et là, on est un peu peut-être au bout de cette limite de cycle budgétaire un peu décalé. Voilà, ce sera un travail. Et si on arrive à anticiper un petit peu, mais ça dépend aussi des élus qui doivent se décider plus vite, arbitrer les dépenses, arbitrer les investissements, arbitrer les projets. Et dans une période où on nous avait dit, notamment pour le plan de relance, il faut avoir tout fini au 31 décembre 2022. Maintenant, on nous dit, finalement, on vous donne un an de plus, c'est octobre 2023. Entre-temps sortent des appels à manifestation d'intérêt un peu inattendus sur des équipements sportifs, sur des projets de rénovation énergétique, etc. Bon, c'est quand même une gymnastique qui n'est pas forcément simple pour arriver à tout programmer. Et puis des entreprises qui ont des délais très importants, des prix qui varient, parfois il faut se décider extrêmement vite, les marchés publics sont de plus en plus difficiles à passer, etc. Voilà pour ce budget, avec donc les négociations qui continuent. Je vois la Caisse des dépôts vendredi sur la gendarmerie pour arriver à trouver un accord. Là aussi... ça doit être des opérations qui permettent une meilleure visibilité et puis à la ville peut-être aussi à terme des économies. En plus de sessions dont on parlera juste après, où on optimise. Voilà, quand on voit qu'il y a des logements où on arrive à dépenser 820 m3 d'eau en 6 mois,
ben on se dit qu'il y a un certain nombre de patrimoines, soit qu'il faut rénover et qu'on peut remettre en location, soit qu'il faut céder pour que des bailleurs les rénovent et les remettent aussi en location. C'est aussi un enjeu d'attractivité sur la ville, et on a un certain nombre de patrimoines. Et j'en termine aussi en disant que vous avez vu qu'il y a plus de 320 000 euros d'acquisition foncière. Ça veut dire qu'on se met aussi en capacité. Si à un moment il y a des parcelles qui se vendent, des choses qui sont stratégiques, de pouvoir appuyer sur le bouton et d'user du droit de préemption vérifier que les opérations se font dans le cadre de l'intérêt général, notamment en cœur de ville, ce qui est très important dans notre stratégie de revitalisation. S'il n'y a pas d'autres questions, Véronique, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, l'essentiel a été dit. Effectivement, nous avons été rigoureux et prudents, et je remercie les élus qui l'ont remarqué. Franchement, c'est une nécessité, parce que, comme le disait Frédéric Brochot, d'ailleurs, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Le choix aussi, on va le voter après, de ne pas augmenter les taxes directes locales, c'est vraiment aussi pour nos Autunois, maintenir le service public aux Autunois, la qualité de service public, et ne pas handicaper davantage qu'il l'est déjà leur pouvoir d'achat sur la durée. Donc c'est un vrai effort que l'on fait, et si nos engagements par rapport aux taxes locales sont tenues, c'est pas le cas partout, hein, dans les villes moyennes et les villes de notre taille, hein, au-dessous de 15 000 habitants, bien souvent les taxes locales sont augmentées cette année. Donc là, voilà, je compte sur chacun d'entre vous pour vous faire l'écho de l'effort que fait la ville d'Autun. Et parfois, c'est un peu difficile parce qu'on sait qu'il y a d'autres aspects de notre budget que l'on doit toiletter un petit peu, que l'on est obligé, en fait, d'appréhender avec un peu plus de rigueur que d'ordinaire. Mais c'est pour le bien de chacun des Autunois. Merci beaucoup. Donc, je propose de passer au vote avec les différentes procurations. Donc, y a-t-il des oppositions ? Pas d'opposition. Y a-t-il des abstentions ? Alors, Angéline, vous avez une procuration. Non, c'est Anatole. Donc, deux. Donc, Anatole et la procuration de Florence. Angéline, donc ça fait trois. Et Frédéric Brochot avec la procuration de Madame Leflon. Merci pour cette adoption du budget avec donc des taux inchangé, c'est le rapport 5.4. 5.4 des taxes directes locales. Véronique Pacot. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs. Donc, concernant l'approbation du taux des taxes directes locales, donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver les taux de taxes foncières sur les propriétés bâties et le taux de taxes foncières sur les propriétés non bâties. Donc, concernant la taxe foncière sur la propriété bâtie, le taux en 2021 était de 46,32%. Il est identique en 2022, de 46,32%. Et la taxe foncière sur la propriété non bâtie, qui était de 58,15% en 2021, reste bien de 58,15% en 2021. Donc cet engagement, voilà, et on va dire, je vous l'ai expliqué tout précédemment, donc c'est le souhait de la majorité municipale d'Autun de ne pas augmenter le taux des taxes locales. Merci, effectivement, et c'est, je pense, un souhait partagé. C'est une gageure quand on a notamment plus qu'un pouvoir de taux, c'est celui de la taxe foncière, et une population qui, en tout cas un nombre de contribuables qui est plutôt en décroissance, ce qui suppose d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu dans vos boîtes aux lettres, un travail très fin sur les bases pour que des immeubles qui sont parfois classés insalubres alors qu'ils ont été rénovés, eh bien, soit au bon taux, et ça permet, sans changer les taux, mais de rétablir une équité entre voisins, et puis également d'avoir la perception la plus efficace des impôts, avec des taux donc, qui n'ont pas évolué maintenant depuis 11 ans. Donc, vous savez que depuis l'an dernier, on a intégré les taux dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale
On a intégré les taux départementaux, réforme qui n'est peut-être pas terminée puisqu'on nous annonce la suppression de la CVAE. Ça va probablement rebattre les cartes aussi entre l'échelon intercommunal et départemental. En tout cas, des taux qui n'ont pas évolué et qui sont plutôt orientés à la baisse depuis 11 ans, en tout cas qui n'ont pas... la dernière augmentation votée était en 2011 et ensuite ça a été soit une stabilité, soit une légère baisse des taux, en n'oubliant pas néanmoins que cette année, il y a une hausse des bases qui est assez forte. Donc les bases sont revalorisées d'un indice synthétique qui se rapproche de celui de l'inflation autour d'un peu plus de 3%. Donc les bases vont déjà être revalorisées de manière importante. C'est pour ça que c'était d'autant plus primordial de ne pas augmenter les taux par rapport à ces bases qui augmentent. Frédéric Brochot. Non, là... On votera pour, hein, de toute façon, là, il n'y a pas de souci. Non, juste, on se l'a dit déjà, on a des bases qui sont aujourd'hui quand même très élevées hein, sur Rotin. Et pour ce qui est de ma part, hein, un petit peu par rapport à la taxe sur le non-bâti, on sait que ça a tout de suite une incidence également sur ce qui est de la location des terrains. Est-ce qu'à un moment donné, de toute façon, il faudra se poser et bien réfléchir sur cette TFNB et je dirais la disparité aussi qu'il y a, mais ça c'est à parler avec la communauté de communes, la disparité qu'il y a entre les communes du Grand Autunois-Morvan. Sur Rotin, je crois que de tête, c'est à peu près 80 euros à peu près de l'hectare, si je me souviens bien. Quand on passe sur la commune voisine, on descend tout de suite à plus de moitié. Donc ça engage tout de suite une très forte disparité de location et sur les terrains, il faut supporter quand même hein, cette disparité. Donc si même un jour... vous souhaitez baisser la TFNB, ça sera avec grand plaisir. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur cette disparité qui est flagrante, notamment au niveau agricole, où on traverse un ruisseau ou simplement une limite de parcelle, et puis on a vraiment des écarts très importants. C'est pour ça que, quand j'étais vice-président en charge des finances, j'avais fait voter un pacte qui... prenez un peu l'inverse de la logique précédente où les communes n'avaient pas le droit d'augmenter leur taux. Pourquoi ? Parce que si elles augmentaient leur taux, elles dégradaient le coefficient d'intégration fiscale, ce qui fait que tout le monde avait un petit peu moins de sous. Le coefficient d'intégration fiscale étant plafonné, moi j'avais dit plutôt à l'inverse, on avait voté ça, qu'il fallait plus baisser les taux pour pas accroître l'écart entre les communes taxées et celles qui le sont moins. Sur 55 communes, il y en a 5 seulement qui ont un taux d'imposition supérieur à la moyenne pondérée, c'est les pôles. Et on voit qu'il y a encore des charges de centralité très importantes que l'intercommunalité n'a pas forcément complètement compensées, alors qu'au départ, c'est pas lié seulement à notre intercommunalité, mais c'est vrai qu'au départ, les intercommunalités étaient prévues aussi pour absorber une partie des charges de centralité. Elles l'ont fait notamment avec les piscines, hein. C'est une des plus grosses charges de centralité, mais elles ne l'ont pas fait forcément avec tous les équipements, et notamment en termes de fiscalité, où on voit que il n'y a pas forcément eu de convergence, même si il existe des intercommunalités où entre la ville-centre et les villes autour, il y a une équité totale et exactement le même taux. Mais je pense qu'il y a un travail, et c'est pour ça qu'au niveau de l'intercommunalité, dans le budget précédent et dans ce budget, on a contribué à hauteur de 40 000 euros pour qu'il y ait une forme aussi de péréquation et de solidarité, où on a désormais aussi un critère de il y a un fonds de péréquation au niveau intercommunal qui est aussi basé sur des critères notamment du nombre de logements sociaux, etc., qui sont plus simplement des critères géographiques ou de stricte population, mais aussi des critères de richesse, des critères de taxation. Ce fonds, pour l'instant, il est que de 100 000 euros. C'est un peu faible. Et moi, je serais favorable à ce qu'on puisse avoir un fonds beaucoup plus important, ce qui permettrait aux communes bénéficiaires, principalement les pôles et principalement dans notre communauté de communes Autun et Épinac, de dégager un peu de marge de manœuvre et que la solidarité joue. Ça va être un débat, je pense.
Pour l'instant, c'est vrai que le Covid, plus la hausse des prix de l'énergie, plus les réformes législatives font que les repères sont quand même brouillés. Et on l'a vu dans les différents débats d'orientation budgétaire, y compris celui de la communauté de communes, c'est que c'est quand même compliqué aujourd'hui d'y voir clair dans les budgets, d'autant qu'on nous annonce une nouvelle réforme de la fiscalité locale avec la suppression de la CVAE, peut-être aussi la contribution de certaines collectivités à un effort de redressement des comptes publics. Et c'est vrai qu'on a besoin d'un peu de stabilité et de prévisibilité pour établir des schémas de solidarité. Mais si à terme on pouvait rapprocher les taux de la ville de ceux des communes alentours et avoir une forme de solidarité, étant donné qu'on est de loin les plus taxés et avec les plus fortes charges de centralité, je pense qu'on ne peut y être que favorable. Il ne reste plus qu'à convaincre les 54 autres communes du Grand Autunois Morvan. Sur ces taux, ce maintien des taux de fiscalité, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et je vous propose de passer à la mise à jour de tarifs d'occupation du domaine public, qui pour certains n'avait pas évolué depuis plusieurs années, 2016. Voilà. Et qu'on revalorise en concertation avec les commerçants non sédentaires, commerçants forains, et je crois qu'on a consulté aussi l'ensemble des personnes taxées par, qui payent des droits de place ou des droits d'occupation du domaine public. Cathy Nicolaou. Puisque, effectivement, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance dite d'occupation du domaine public, dont le montant est fixé par délibération du conseil municipal, et qu'il convient donc de les mettre à jour. Ces dispositions s'appliquent notamment aux droits de place des taxis, des marchés, de la fête foraine, des foires et autres manifestations, ainsi que des installations de terrasses et autres mobiliers. Considérons également que la délibération du 18 octobre 2019 reste exécutoire en ce qui concerne le règlement d'occupation du domaine public terrasse et mobilier de la ville d'Autun. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les nouveaux tarifs d'occupation du domaine public à compter du 1er avril 2022, tels qu'ils sont présentés dans les différents tableaux que je n'évoquerai pas, sauf si vous le demandez éventuellement. Simplement, permettez-moi d'ajouter que la ville, effectivement, n'a pas fait d'augmentation de ces tarifs d'occupation du domaine public depuis 2016, puisque la délibération était passée en octobre 2019. Celle qui était passée en octobre 2019 avait pour objet d'adopter le nouveau règlement d'occupation du domaine public et la charte des terrasses. C'est pourquoi les tarifs étaient annexés, mais ils étaient identiques à ceux de 2016. Et puis, suite à la crise sanitaire du Covid, la ville d'Autun a souhaité soutenir ses entreprises et commerces locaux en faisant une exonération particulière sur les mois de confinement, mais pas seulement. Et je tiens à votre disposition la liste des exonérations appliquées depuis mars 2020, la dernière en date étant celle adoptée lors du Conseil du 28 juin 2021 avec la suspension de redevances du 1er janvier au 30 juin 2021 pour l'occupation du domaine public pour les commerçants notamment. Mais depuis l'automne 2021, la reprise économique mondiale a fait grimper le prix des matières premières et malheureusement la ville d'Autun n'échappe pas à cette augmentation et afin de continuer à offrir des services de qualité tout en devant réduire l'écart entre ses dépenses et ses recettes, la collectivité n'a pas d'autre choix que d'appliquer une répercussion sur les tarifs d'occupation du domaine public avec en moyenne une augmentation de 10%. C'est une augmentation qui est limitée et qui ne comble pas les augmentations supportées pour une raison simple, continuer notamment à soutenir le commerce. Est-ce que tu veux parler de la création du tarif food truck donc sur les branchements eau usée et les emplacements autonomes? Avec un effort effectivement particulier qui sera fait de ce côté-là et puis une première amélioration des conditions en ce qui concerne l'emplacement qui se trouve Jules Badevant, terrasse donc à la promenade notamment, avec un véritable emplacement. Et puis nous avons tenu compte également des remarques qui avaient été faites notamment par Frédéric Brochot lors du précédent conseil municipal. Et donc effectivement, le food truck n'a pas vocation à rester systématiquement en place et sera maintenant donc mis en place lorsqu'il sera utilisé et le commerçant repartira avec celui-ci à la fin de sa prestation. Voilà.
Donc effectivement, il y a la création d'un nouveau tarif. Donc les emplacements type food truck qui sont en fait appelés emplacements, enfin maintenant on les appelle comme ça dans les délibérations, mais c'est vrai que c'est des emplacements à l'époque plutôt camion pizza, on appelait ça comme ça, ce qui est un peu la même chose. Il y en a un certain nombre sur la ville, on a pas mal de demandes, c'est quelque chose qui se développe. Et il y avait un seul tarif, et maintenant il y a deux tarifs. Donc emplacement autonome, c'est la personne qui vient, qui a son propre groupe électrogène, donc c'est pas forcément très écologique, et il faudra qu'on essaye au plus possible d'aller sur des branchements électriques, qui a son propre réseau d'assainissement, donc des cuves, il récupère l'huile, etc. Et donc ça, c'est l'emplacement classique. Et puis ensuite, on crée un tarif pour des emplacements de branchement électrique et eau usée, ce qui veut dire que les commerçants non sédentaires qui seront sur les emplacements autonomes devront véritablement être autonomes et respecter le règlement, c'est-à-dire venir et puis repartir. Et les personnes qui sont sur des branchements électriques eau usée paieront un peu plus cher, mais devront aussi respecter le règlement et se brancher au réseau électrique et se brancher à l'assainissement pour l'assainissement. Donc il y a un premier emplacement qui va être créé dans ce sens-là. Et puis on réfléchit aussi à un deuxième. C'est des investissements assez importants qui ne sont pas complètement couverts par 30 euros par jour, mais qui sont nécessaires pour assurer eh bien que ces commerces ambulants, dont il faudra peut-être d'ailleurs revoir la carte des emplacements, pour l'instant elle est ce qu'elle est, mais que ces commerces ambulants soient dans de bonnes conditions à la fois pour eux et pour le voisinage. Sur cette revalorisation des tarifs d'occupation de domaine public, y a-t-il des questions, Frédéric Brochot ? Pas de questions, juste dans le même sens que l'on a voté pour l'augmentation du parking. Bon, on trouve que c'est pas l'année par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au problème aussi que les commerces, que ce soit sédentaires, non sédentaires ou les terrasses, ces commerces-là qui ont subi et qui subissent encore, en espérant que toute la promotion aussi que chacun fait, chaque collectivité peut faire, nous apporte encore davantage de touristes, que ça puisse faire vivre l'économie. Mais sur ce rapport-là, nous voterons contre. D'accord. Y a-t-il d'autres prises de parole ? Je propose de passer au vote. Donc, y a-t-il des oppositions ? 1, 2, 3. Donc 4, 5, les deux avec procuration. Y a-t-il des abstentions ? Donc merci, 5 oppositions. Il faut que je dise les noms, non ? Parce qu'il y avait une question dans le dernier rapport. Anatole Sago avec Florence Garnier, Angéline Gorini et Frédéric Brochot avec Catherine Lefond ont voté contre. Merci. Affaire foncière de nomination de voirie. Alors, nous avons, par notre premier rapport, ouvert le conseil municipal sur ce marché de fourrière automobile municipale. Et il se trouve que la fourrière automobile, si le préfet donne l'agrément, se trouve dans une rue qui s'appelle la rue Nicéphore-Niépce, qui est perpendiculaire à la rue Nicéphore-Niépce, ce qui est extrêmement pas pratique, notamment si on veut que les personnes s'y retrouvent et trouvent cet emplacement. Et comme il nous est suggéré de trouver des personnalités féminines, parce que les femmes sont sous-représentées dans les noms de rues, on vous propose que la rue perpendiculaire à la rue Nicéphore-Niépce porte le nom d'une femme. Dans le domaine de la photographie, Nicéphore-Niépce étant évidemment l'inventeur bourguignon de la photographie, et vous est proposé le nom de Cosette Harcourt, de son vrai nom Germaine Hirschfeld, qui est née en 1900 à Paris, qui est la fille de Percy Victor Hirschfeld et de Sophie Liebmann, des immigrants juifs allemands installés à la fin du 19e à Paris. Pendant la Première Guerre mondiale, la famille quitte Paris pour Londres. Germaine Hirschfeld revient en France aux alentours de 1923, où elle se réinvente une identité, une nationalité,
et elle est devenue Cosette Harcourt. Cosette en référence à Victor Hugo et Harcourt en référence à la famille noble anglaise. Et donc photographe. Elle crée en 1933 dans le 8e arrondissement de Paris son studio de photographie où elle réalise des images pour la presse. L'année suivante, elle s'associe avec les frères Lacroix, qui sont patrons de presse, et Robert Ritchie pour fonder le désormais célèbre studio Harcourt. Pour prospérer, le studio se spécialise dans la photographie en noir et blanc des célébrités du monde du cinéma, de la culture, dans un style très caractéristique de clair-obscur, prononcé, donc tout à fait reconnaissable. La prospérité du studio est facilitée grâce au carnet d'adresses fourni de Madame Cosette Harcourt. Suite à son mariage en 1940 avec un des frères Lacroix, Jacques, Cosette et son mari fondent le magazine Vedette pour donner un débouché aux photographies produites par leur studio. Le couple divorcera en 1946. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Cosette Harcourt passe en zone libre, puis en Angleterre. Le studio Harcourt connaît une période de gloire à partir de 1950 et Cosette Harcourt met fin à sa collaboration en 1968. Elle sera surnommée la Mademoiselle Chanel de la photographie, dont elle a contribué à l'essor. Considérant l'intérêt de la commune à identifier parfaitement chaque voie et chaque site marquant, considérant que la voie actuellement perpendiculaire à la voie Nicéphore-Niépce est également dénommée rue Nicéphore-Niépce et qu'il convient, dans un but d'orientation, de la nommer distinctement, on vous propose également de rectifier une erreur lors d'un conseil municipal du 30 novembre 2018 où la route de Haut-Vau, V-E-A-U, est en fait la route de Haut-Vau, V-A-U-X. Donc les panneaux routiers portent bien le bon nom. Simplement, notre délibération, peut-être par un correcteur automatique, avait une petite typo. Il est donc proposé au conseil municipal de nommer, conformément au plan joint en annexe, la voirie perpendiculaire à la voie Nicéphore-Niépce, la rue Cosette Harcourt, modifier la dénomination du chemin actuellement en route de Haut-Vau, en route de Haut-Vau, VAUX. Autorisez monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document. S'y rapportant, j'indique que nous sommes également preneurs, de la part de l'ensemble des conseillers municipaux ou du public, de suggestions de noms, plutôt de personnalités féminines pour d'éventuels équipements à venir. Voilà, il y a déjà quelques idées pour nos équipements donc, ou nos voiries, chemins communaux et autres salles que nous aurions à dénommer. Sur cette dénomination, y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et nous passons à la désaffectation au déclassement d'une partie du domaine public. Rue du Bois-Mattet, Françoise André. Merci, monsieur le maire. Approbation donc de la désaffectation et déclassement d'une partie du domaine public rue du Bois-Mattet. Considérant que monsieur Naguez a saisi la commune pour lui céder une partie d'environ 111 mètres carrés du domaine public rue du Bois-Mattet, considérant que l'emprise concernée n'a pas fonction à desservir ou assurer la circulation, considérant que cette emprise foncière n'est pas affectée à l'usage du public, considérant que le déclassement est dispensé d'enquête publique puisque l'opération envisagée n'a pas pour vocation de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la désaffectation du domaine public d'une partie d'environ 100 mètres carrés située rue du Bois-Mattet, puisque cette emprise foncière n'est pas affectée à l'usage du public, d'approuver le déclassement du domaine public communal de cette partie d'environ 111 mètres carrés située rue du Bois-Mattet, conformément au plan de déclassement joint en annexe, d'intégrer cette emprise foncière référencée dans l'article 2 dans le domaine privé de la ville d'Autun, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Sur cette parcelle rue du Bois-Mattet, y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Et nous allons désormais passer à la cession de ce terrain.
au voisin qui nous a fait une proposition financière. Françoise André. Alors, vu l'avis des domaines en date du 15 septembre 2021, vu l'accord des acquéreurs, vu le plan joint en annexe, considérant que la mairie d'Autun est propriétaire d'une partie de terrain située rue du Bois-Maté, considérant que ce terrain a été préalablement désaffecté, déclassé du domaine public, considérant que M. Mohamed Naguez et Mme Zeghidi Inès ont fait part de leur souhait d'acquérir ce terrain pour une superficie d'environ 111 mètres carrés au titre de 1 500 euros. Considérant qu'un découpage cadastral est effectué par un géomètre expert, considérant que les frais d'acte et de géomètre seront à la charge de l'acquéreur, il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession d'environ 111 mètres carrés d'un terrain rue du Bois-Maté, préalablement désaffecté, déclassé du domaine public à Madame Zeghidi Inès et Monsieur Mohamed Naguez pour la somme de 1 500 euros, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Sur cette session à Frany, y a-t-il des questions pour 1 500 euros, 100 mètres carrés, 111 mètres carrés? Y a-t-il des questions? Je vous propose de passer au vote, des oppositions, des abstentions. Unanimité, je vous remercie. Alors là, une session plus importante, c'est celle d'un immeuble 5 et 7 Place du Terreau. Françoise André. Alors, vu l'avis des domaines en date du 19 mars 2021, vu la prolongation du 24 mars 2022 de validité de l'avis domanial 2021-60, je passe, vu l'avis favorable de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté du 19 avril 2021, vu la proposition faite par Habitat et Humaniste 71, considérant que la ville d'Autun est propriétaire d'un immeuble situé 5 et 7 Place du Terreau, 71-400 Autun, cadastré AP-271, considérant qu'Habitat Humaniste 71, entreprendre pour humaniser la dépendance, souhaite faire l'acquisition de cet immeuble afin de le rénover et de le réhabiliter en vue de créer 6 logements. Considérant que le projet de cet investissement s'inscrit dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, notamment dans ses actions visant à rénover et réhabiliter l'habitat ancien en cœur de ville. Considérant que les frais d'acte et de géomètre seront à la charge de l'acquéreur, il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession du bâtiment 6, 5 et 7 Place du Terreau, et cadastré AP-271, d'approuver la signature de la promesse de vente ainsi que la cession de l'immeuble 5 et 7 Place du Terreau, cadastré AP-271, à Habitat et Humanisme 71. Entreprendre pour humaniser la dépendance avec faculté de substitution à toute personne morale ou physique pour la somme de 52 000 euros. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Donc une session de ce qui était l'ancienne école de la maîtrise et qui est aujourd'hui désaffectée, qui hébergeait encore jusqu'à l'an dernier les restes des fouilles du chapitre de Walter Berry et Sylvie Balcon. Les fouilles ayant été publiées, les restes de mobilier archéologique ont pu être déménagés et le bâtiment proposé à la vente lien avec l'évêché qui dispose d'un droit de passage à cet endroit-là et avec les voisins pour une opération consistant à créer donc 6 T2 pour 57 000 euros d'acquisition et un montant total hors taxe de travaux de 517 000 euros qui seront portés par donc Habitat et Humanisme dans le cadre d'une réhabilitation de grande qualité de cet ensemble qui pour l'instant était fermé et en dégradation lente mais certaine.